Nous pouvons aller dans settings là pour nous capables. Vous connaissez avec Gmail, nous pouvons le servir. C'est que Léon Moon. C'est que Léon Moon entre. Léon Moon entre non, prénom, non. Léon Moon remplit tout ça. Ensuite, le submit. C'est dans Gmail où on peut recevoir message. C'est dans Gmail où on peut recevoir message. Qui donc, faut que vous mettez credential. Ça veut dire faut que vous mettez Gmail account ou non. Dans settings. Ok, on va aller dans settings. Ensuite, en bas, load host là. Ça, on va le faire. On va aller mettre email back-end. Ok. Nous allons chercher ça sur Django pour nous faciliter nos tâches. Nous pas besoin taper en pile. Nous allons chercher Django. Gmail. Ok. Ok. Maintenant. Ok, mais là. Premier sort maintenant, c'est email, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais SMTP backend, c'est tout ce qu'on a besoin pour capable envoyer email. Premièrement, c'est email backend. Ok, on copie le, ensuite on colle. Deuxièmement, soit besoin deuxièmement soit besoin au besoin email host qui c'est SMTP. Ensuite, on a besoin email host user. Email host user, ça, il y a Gmail account tout. Mais juste qu'on a là, nous pouvons créer un account pour nous montrer où ça. T'as le nous pas créer un Gmail account pour nous faire ça. Ensuite, la deuxième email. Deuxième, c'est la password. Ou. Password Gmail account tout. Email host pass word. Ensuite, email port. Ensuite, email use TLS. Ok, password pour email port là, la 587. Ensuite pour email use TLS là, la true. Ok, bon, n'a pas une petite pause là qu'on a là. Ensuite on va créer Gmail 40. Ensuite on va retourner.